La production Café Gaming souhaite s'excuser pour les défauts audio de la vidéo. Le développeur a ajouté des sous-titres pour mieux comprendre certains dialogues dus à l'Imago Engine. Le développeur a fait en sorte que cela soit audible, mais quelques défauts sont encore présents. Veuillez nous excuser pour ce petit défaut. Bon visionnage! Des magots. Et aussi, on va se séparer. Donc moi, je serai avec Amaury, l'ami du Vogo, l'ami du bon goût, et Cortec. Et il va où il veut. Le frère. C'est entre libre. Et moi, je serai avec Et il y a et les deux là que vous voyez, c'est Emago et Flo de Café Gaming, voilà, ils se cassent. Ils sont ensemble, ils sont en couple. Voilà. Donc alors du coup on fait la séparation et on fait la virée. Voilà, oh il y a des trucs. Il y a Spiro. Quel est Spiro? Oh par contre mec qui tombe dans le et le mec qui censure comme ça. Ouh, à perdre sa vie. Où on va, Amaury? On va jouer à Super Smash Brothers. Par contre on va trop ta gueule. Ça fait quelques mois que j'ai pas joué, ouais, et t'es pas obligé de te coller à moi aussi. Ah non, c'est la caméra, elle a un trop gros objectif. Bah, te colle. J'ai zoomé mais comme un mouton. Bah, zoom pas. Ah, et en plus, c'est un manette GameCube. J'ai envie de jouer contre des gosses, pour s'il vous plaît. Ouais, bah forcément, manette GameCube. Forcément, Smash, ça joue à manette GameCube. Non, parce que... Oh là, il est pas mort. Alors, regardez-moi cet acrobate. Est-ce qu'il va comprendre ce qu'il faut faire? Il a compris. Oh, le coffre qui a déjà été ouvert. Oh. Il a réussi. Il a réussi à sortir. Attention, des masques. A-t-il de comprendre comment marchait Mascas? Oh là! Oh là, mais ce talent! Il a tué les Mascas. Il a gagné une clé. Petite clé de qualité. Je mets bien dans ma main. Ah, c'est trop lourd! Ouais. Ah il est mort, il est mort. C'est X, j'ai l'habitude de la version Game Boy. Il est mort, regardez-moi cet homme est mort. Bon. Tape. Ah non, je joue pas toi. Ah oui, faut tape. Mais non, mais meurs pas. Eh non, faut pas meurs toi non plus. Il y a eu la clé, ça a sauvegardé. Tour. Non, ça va, c'est pas mal. Pour jouer un mauvais tour. Hop. Allez, meurs pas. Hein. Pas cette fois. Il va aller à droite. Encore des ennemis de Mario. Et hop, nous sommes en 2D. Voisin, Totoro. Totoro. Il y a des calendriers. Je connais parce que voilà, j'avais des calendriers. Je suis à coup. Mon devoir est de te protéger.
votre fouette et tu la me crevras comme une vieille merde de gras. J'hésite, mais... Dédicace à Dylan. Non mais ta gueule, prends ta gueule, ça c'est tout à fait lui. Il est tout seul mais il joue à un jeu canard. Franchement, elle est propre la qualité pour une télé catholique. C'était pas de la merde à l'époque. C'était fait pour. Ouais, ouais. Hey. Oh, j'y vais, je m'achète le trop. Bon, bah, bonne partie. Hé, hey, mais 62 minutes. Ah bah oui, c'est ma carte mémoire. Ouais. Sommes en convention au stock de figurines. Ah, t'es le plus grand. Ouais. Toi, c'est toi qui regardes les Lucky Bar. J'aime bien les figurines. Bah voilà. Je hais cette caméra. Ah bah oui, j'ai zoomé. Je hais cette caméra. Ah, j'ai zoomé. Bah regarde où il est, le bouton du zoom. Bah oui, bah zoom. Hé. Ouais. Ça serait bien d'avoir une peluche comme ça, mais at in time. At in time, tu peux pas avoir. Ah ouais. Bon, il a... Les peluches. Oh, des câbles. J'aime bien le Mario derrière. Ouais. Et donc, j'ai ma petite figurine que je voulais. D'accord, je suis une grosse merde à côté, quoi. Non, c'est pas ça vient, mais c'est toujours pareil. En fait, si tu veux, moi, je réfléchis. Je réfléchis tout seul, tu vois. Là, c'est presque collé. Là aussi, là aussi. Il n'y a que trois couleurs sur un carré de neuf. Du coup, je vais m'arranger pour que ce soit très simple pour moi. Donc là, ce que tu veux, là, je vais prendre les jaunes. Hop, 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 hop. Là, j'enchaîne. En fait, je construis mon jeu avant de le faire. Ah ouais, d'accord. C'est là que ça devient plus intéressant, quand tu construis un peu. Parce que si jamais j'entends que ça hurle de son côté, moi j'ai mon jeu qui est prêt pour... Eh ben... Nous sommes avec Amaury pour quelque chose de très spécial, quelque chose qu'il connaît très bien. Je te laisse t'exprimer. Bah, c'est des boîtes à bento, c'est super pratique, mais pas bon. Je pense que j'ai pas en acheté là, mais surtout la première japonaise, regarde. Oh, les clear lime, c'est pas ce qu'on a chez nous ça. Non, t'as pas. T'as des petits boissons avec le petit personnage de la Kuma. Ouais, d'accord. Mais c'est quoi comme boisson? Alors, le type de boisson, c'est pas. Je t'avoue que. Ah voilà, il est là, la couleur main. Ok. Ouais, et PET catégorie 1, j'aime bien, c'est que ça me rappelle mon boulot. Attends, je vais ouvrir. Par contre, le certissage ici, il est de qualité supérieure. C'est vrai en plus. Ouais. Je vais ouvrir Strad et puis hop, il va me dire ce que c'est. Il y a du Coca-Cola Apple, oh, j'aimerais bien essayer. Japanese, hop, caméra. Alors, c'est une sorte de thé. Faut pas le thé. Lido Beers. C'est un thé vert en fait. C'est un petit thé vert en bouteille. Un petit thé vert en bouteille comme ça. J'ai probablement acheté un pour ma copine, elle adore. Elle adore, j'ai la commande. Bah, prends alors. Ouais, mais je vais le reposer en avant. Et je vais regarder ce qu'il y a à côté. Il y a une française vers moi. Ouais, mais regarde, hop, un autre. On a la commande. Putain, c'est super cool. Ouais, t'as vu, c'est stylé. Et faut pas que ma femme soit là. Hein. Par contre, il y a trop de trucs à la Kuma. Heureusement que la mienne n'est pas là. Bah et alors, c'est sympa. Après j'aimerais bien essayer le Coca-Cola Apple. Ah ouais. En vrai ça peut être pas mal, non. Alors, attends, je fais une dégustation comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un thé. Enfin un thé vert ou différent. En fait ça doit être différents types de thé en fait. C'est une édition c'est une édition limitée. Et en gros c'est la... C'est pas, tu sais, les arbres... Ouais, d'accord.
Ça va, c'est la sympathique. Canette, la petite boîte en métal. Hein. Bah, c'est parce qu'elles sont réutilisables. Ouais. Mais ils font quoi ton métal en contenu genre, je sais qu'ils font aussi, tu peux aussi acheter des bouteilles Coca genre en métal, genre les bouteilles normales à Tokyo. Je sais que t'as aussi ça à New York, mais dans le reste du monde, je sais pas. Mais regarde aussi. Une petite édition pour ce symbole de l'équipe de rugby. Ouais, c'est ce étant que donné... c'est écrit ouais. En même temps. Hein. Oui, non, mais en fait, c'est super intéressant parce que récemment, il y a eu la Coupe du Monde de rugby qui s'est déroulée au Japon. Et ils sont arrivés. Au final, c'est l'Afrique du Sud qui a gagné. Du Dido Kirby. La petite boule rose trop choupie qui a des sourcils froncés. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression qu'elles ont toutes des dessins différents. Ouais, c'est marrant, elles ont toutes des dessins différents. J'aime bien la Kirby derrière avec le petit monstre. Ah, attends, ah, je crois qu'il y a écrit sur le côté. Ah, c'est un punch. Un punch au fruit. Oh. Tu le secoues 5 fois et puis après tu le bois. Ah, c'est stylé. J'ai envie de prendre pour faire une dégustation en vidéo. La Monster. Une sorte Cuba Libre. Non, c'est faut de la, pas, faut pas c'est de la Monster, je veux dire. Ouais. Vu les quantités de boissons énergentes que je consomme. Toi, t'as quelque chose qui m'intéresse. Ah, des mots. Alors, ça, c'est qui? Et ça, c'est. Ah, attends, t'as des petits Lucky Bag aussi en dessous. D'accord, tu peux regarder s'il y a dans le Lucky Bag. C'est du quoi, du kebab? Non, des Lucky Bag. Tu sais, c'est des sacs. Ah, en théorie, t'es pas censé savoir ce qu'il y a dedans. Mais là, tu vois tout. Je vais pas prendre ça. Non, non. La boîte de Moshi, c'est 4€ et 3 boîtes, c'est 10€. Je verrai un peu plus tard quand j'aurai plus de thunes. Mais là déjà ça va déjà être pas mal. Ouais. Bah quand t'auras acheté ça, moi je vais faire des petites courses et puis j'en mangerai avec ma copine. Voilà, donc on va continuer à regarder un peu, on va regarder le stand qui est en face. Ouais. Pendant qu'Amori passe devant la caméra. Ouais. Alors là, et donc là on a les KitKat japonais. Je pense que c'est les mini KitKat même. Bah oui, c'est ça. Parce que t'as les regarde, tu regardes sur l'emballage, c'est vraiment un mini KitKat. Oh, regarde ça. Nice. C'est vraiment les trucs. Comment il s'appelle? Ah, c'est un petit personnage tout mignon. Ouais, je sais plus comment il s'appelle. C'est Manga Café Combini. D'ailleurs, t'as vu, ils sont sous Combini. C'est pas la chaîne d'info. Ah, c'est rigolo ça. Des waffles, c'est quoi ça? Des petites cartes. Bon, bah, il y a écrit bandé. Ouais, mais. Waffles, c'est où je connais pas. Et ouais, c'est des petites cartes. T'as du chewing-gum, ouais, t'as des japonais. Bonbons avec Pito Chevoli, t'as bonbons piquants là, piquant les toilettes. Bonbons toilettes, je vais l'appeler bonbons toilettes. C'est un truc toilette. Acidulé. T'as des... Et là les trucs Pokémon, c'est quoi là? Ma copine elle m'avait acheté un truc comme ça. C'est quoi? C'est juste un chewing-gum. D'accord. T'as ça en... Et ça là, le truc Super Pokémon Mario. Là en bas que je... Pokémon. Ça? Ouais. Ce que je sais que c'est qu'il y a des box de bonbons durs. Il y a des bonbons, d'accord. Je sais pas ça. Excuse-moi, mais il y a du monde donc. Ça, c'est des chips. Non, c'est des bonbons. Par contre, j'ai trop zoomé. Elle a des zooms. Non, mais c'est des petits bonbons. Ah, d'accord, ouais, c'est des gummy candy Kusagrai. Kusagrai. Moi, j'aime bien la petite boîte qui est là, regarde. Oh, ouais. Ah, bon, oui, moi, j'aime bien la petite boîte qui est là, c'est des petits bonbons durs. Oh, c'est classe. Que tu suces. Oh là, c'est classe. C'est... Et j'en achèterai un. Putain, du dalle. Oui, mais c'est normal ça, attends, c'est pas porté. Hein. Ouais, mais la non, taxe derrière. Et tu payes la boîte aussi. Hein. Ils savent qu'ils peuvent se faire plaisir. Passe, parce qu'il y a du monde quand même. C'est pas Pokémon? Ça. Quoi? Une sorte de cookie avec de la crème dedans. Ah, d'accord. Bon, on finit de regarder, puis après, tu fais tes courses comme ça. C'est pas on a Doraemon en plus. Doraemon, ouais. Ça, je sais même plus ce que c'est. Ah, je sais pas, c'est Magical Girl, c'est toi qui es censé savoir. Hein. Alors tu sais, j'en ai tellement regardé que les titres japonais, je les retiens pratiquement jamais. Et moi, j'en ai tellement peu regardé que j'en ai pas en fait regardé. Oh, c'est ce que je risque d'avoir très bientôt, le co-design. Ouais. En fait, je vais me faire une commande que j'ai besoin. Ouais. Un aspirateur machin. Uh-huh. Et la canette isotherme, je l'ai offert avec la lunchbox. Okay. C'est quoi ça? Je sais pas. Il y a un truc que tu mets dans l'eau. Ah, c'est un bonbon effervescent. En fait, t'as plein de petites dragées à l'intérieur. Oui, c'est un bonbon effervescent en fait. Tu le mets dans l'eau et ça te fait un soda. Tu mets dans l'eau et ça te fait une limonade ou quelque chose comme ça. Et voilà. Et on a le retour des lunchbox. Ça te permet d'avoir des ailes. Je vole les lunchbox Dragon Ball. Ouais. Tu vois, c'est propre. Hein. Ouais. C'est bien, même celle-là, regarde, elle est bien faite. Par contre, pas au niveau. Mon frère, il serait là, il en achèterait un. Hein. Un tonton. Fais voir.
J'adore l'illustration. Par contre, je préférais qu'il y ait plus de décoration. Fais voir l'illustration, j'étais en train de zoomer. Non, zoome pas, j'ai déjà assez zoomé. Attends, non, il y en a une qui est bien meilleure. Oh, c'est bien, c'est beau, c'est beau. Vas-y, fermez, regarde. J'ai un autre mon voisin Totoro juste ici. Attends, je zoome. Oh, c'est super beau. Oh, c'est mignon. C'est génial. Oh, c'est super bien défait. Ouais. Oh, 120 degrés plus 140 degrés. C'est un truc isotherme. Ouais. Tu peux le passer au micro. J'ai vite fait, honnêtement. Ça reste du plastique. C'est pas le même plastique. Mais justement, c'est pas la même fabrication de plastique. Justement, j'aurais pas envie d'abîmer. Dylan qui joue. Ta la. La Super Nintendo. Ta la. D'ailleurs, bonsoir, je vais le dire. Hé! Il s'est fait plaisir. On a vu le Magical de Rémi? J'ai vu. Et alors? Il m'a parlé, il faut aller voir après avec lui. Parce que Amaury m'a laissé. Allez, c'est juste à gauche. Il fait son petit promenade. Oh, il y a des micos! Oh, il y a des micos! Non, c'est pas pour moi. Je viens rejoindre Amaury. Ah, bonjour, monsieur. Est-ce qu'il travaille bien? Travaillons très bien. Est-ce que vous voulez rejoindre l'association Cosplay? On est une association de cosplay qui est basée du coup dans la région sur le coin de Nancy. On existe depuis février 2018. Attends, alors, oui, justement, comme avant, dit mon collègue. Dans la caméra, ça te dérange pas d'être sur YouTube? Et comme dit mon collègue, on n'est pas comestible. On aimerait bien, mais vous pouvez pas nous manger. Ça va? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a plein de cosplayers et plein de photographes. Donc on peut faire des événements en dehors, on peut se retrouver en convention comme on fait là, faire des événements en dehors des conventions. On a déjà organisé un concours cosplay par le passé. On a aussi fait des petits shoots comme ça. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait pas mal d'actions aussi en caritatif. Est-ce qu'une année, je pourrais être metteur en scène? On n'a pas de metteur en scène, c'est triste. Mais on est en train de travailler pour aller à l'hôpital, pour aller en cosplay, donc voir les enfants qui sont... Ils sont malades, les enfants malades. Ah, les enfants malades, oui, qui est à l'hôpital. Les enfants malades, ah, oui. Ça va plus. Donc, on veut travailler avec le CHU pour pouvoir aller faire ça. Aussi, on a aussi un projet de récolter des fonds pour la société Lorraine de protection des animaux, qui a de gros soucis financiers depuis des années. Et on a encore aussi plein de projets qui sont aussi dans les bacs et sur lesquels on est en train de travailler. C'est dans les bacs. Dans les bacs. Voilà. On travaille bien. Oui. Voilà. Mais n'hésitez pas au moins à liker la page. Si vous êtes du coin, rejoignez-nous, on s'amuse très bien. Et on est nombreux. Oh, petit feignant. Alors, comment pensez-vous de cette convention? C'était l'année dernière, j'ai été. C'était très très génial. Écoutez, c'est joli, on sort un petit tour. Les gens sont tout petits, on peut les écraser. Ce qu'il faudrait peut-être aussi faire, c'est... Regardez, ces grands méchants monsieur. Oui, c'est bon monsieur. Un bargeek. Regardez, non, c'est lui le méchant. Ta mère, c'est le méchant. Quelle est la raison? Attends, on va voir c'est qui a la plus grosse résolution. Oh bah c'est moi qui ai la plus grosse. Ma caméra est plus petite, mais c'est moi qui ai la plus grosse. Tu vois? En fait, ça dépend quelle résolution tu as, parce que moi je fais de la 1080. 1080, 11,9 mégapixels. Ah ouais, parce que toi tu fais 11,9 mégapixels sur ton appareil photo. Moi c'est un 24 mégapixels et c'est un 3 mégapixels de photo. Bonjour Flo. Et objectif fixe. Ah pas pareil. Ça c'est parce que c'est du sport ça. On a faim. C'est une caméra sportive. Je filme le plafond. J'aurais pas dit, on croit qu'on est après-midi là. Et j'ai testé les fonctions sportives là-dessus. GPS et tout, c'est sympa. En tout cas on a fait de bonnes emplettes. Tout à l'heure on va se craquer. Et Magosan. Est-ce que tu peux montrer mon truc de café gaming? Non. Ok. Parce que c'est sur la vidéo des magos. Que moi, c'est non, c'est la vidéo des magos du café gaming. Bah oui, excusez-moi. Bah oui, c'est une... Le blog, c'est dans café gaming. Bah oui, t'es con. Ah oui, il y a Brutti. Putain, le mec, il a pas suivi. Mais non, mais il regarde pas la chaîne YouTube, il a dit. C'est pas que je regarde pas la chaîne YouTube, c'est qu'avec les... Pourquoi tu veux travailler chez Café Gaming? Vas-y, c'est le moment de passer un entretien d'embauche pour monteur, réalisateur, démocrate. Alors, démocrate, je vais te défoncer. Qu'est-ce que c'est qu'un démocrate? J'en sais rien. C'est un républicain avec moins d'argent. Moi, je voulais voilà. Travailler chez Café Gaming. Ça, c'était mis dans la pâte égale. Parce que t'es une merde au montage. Voilà.
Regarde le méchant quoi. Alors, les abonnés, ils vont me disliker. Non mais, hé, pourquoi c'est pas... Parce que t'as dit que je suis une merde en montage. Non, mais j'ai deux, trois potes qui m'ont dit que je faisais des bons montages. Non mais écoute, t'as compris. J'ai dit ça pour rigoler, t'as le mec qui prend ça au sérieux. J'ai plus suivi après. Les subs, faites pas confiance à ça. Non, c'est vrai, il raconte trop de conneries. Il faut le disliker, il faut le désabonner, il faut le... Non, pas disliker, pas désabonner, il faut l'insulter, il faut lui dire toute cette merde. Non, c'est Nono le petit robot. Tu veux que je t'insulte, moi? Non, mais réellement, tu veux que je t'insulte? Vas-y, tu dis ta gueule. Bah voilà, insulte. Je sais pas comment tu dis ta gueule. Dis ta gueule. La ferme. Dis citron. Ça, c'est... Orange. Ah, mais c'est bien. Tu vois? J'ai réussi à le... Kawaii, des souquets. Oh putain. Là, j'ai changé de mot. J'ai pas dit dans ta gueule, j'ai dit oh putain. Oh putain. Tu vois, il a évolué. Non, c'est même pas... C'est quoi? C'est mise à jour, fait. Ah, merde. Non, ça, c'est le démarrage d'XP. Non, mais quand t'as les mises à jour de Microsoft, c'est fait. Les mises à jour sont faites, votre ordinateur va démarrer. Dans 3, 2, 1, oh, j'ai pas le temps de fermer. La dernière version, c'est ce qu'ils mettent sur la mise à jour. La mise à jour est prête, votre ordinateur va démarrer. Moi j'ai fait un petit. Mais quand tu installes Windows 10, la première. Ah, des souquets, ça arrive. T'es vraiment bizarre. Si je t'en mets une, tu fais quoi comme grimace? Tu fais comme Yannoul? Non, mais quand je t'en fais, quand je t'en mets une, c'est ça. Oh, kawaii! Oh. Ah! C'est bon, ça? Merci. Tu es gentil! Oh là, on est vraiment le bon gentil. Alors, café gaming, est-ce que ça recorde? Caramel. Non, si ça recorde. C'est trop génial, café gaming. Alors, on a pas fait. Mais par contre, c'est bizarre la cuillère. C'est du bois. Ouais, c'est bizarre. C'est pour être écolo. Mais j'ai des cuillères de chez. Par contre, c'est super bien. Là, tu vois, c'est la cuillère écolo. Et la chantilly, La chantilly, tu vois qu'elle est faite maison. Parce que la vraie chantilly, elle est comme ça. Donc, celle que tu prends en magasin, elle n'est pas ce genre de chantilly. Elle tient beaucoup trop. C'est une spécialité de mon coin, ça. C'est chaud. Si vous aimez tout ce qui est bouffe, franchement, regardez Tev Louis parce que franchement c'est génial.
Et là, j'espère qu'ils vont peut-être faire un petit... De toute façon, je leur dirai tout à l'heure. Je vais dire à quand les produits mexicains.